Et après, alors, je chante direct. Ah, ok. Après, s'il te plaît. Bonjour à tout le monde, bonjour. Donc, voilà les travaux qu'on est en train de faire. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait deux arbres ici. Bonjour. Bon, ceux qui sont déjà venus chez moi à Makepe, je crois que vous avez déjà vu l'endroit. Donc aujourd'hui, on est le deuxième jour du mois. Je sais qu'il y en a. Il y a des gens parmi vous. Vous êtes sûrement à la énième chose que vous essayez, ça ne marche pas. Vous avez tellement de situations et ça ne s'améliore pas. Donc je suis là aujourd'hui pour particulièrement parler à quelqu'un ou bien quelqu'une. Ok? Je vais juste partager quelques bouts de mon histoire avec vous. Ça fait 3 ans que je suis revenue au Cameroun. Mets tes fesses sur ça pour tester. Tu vas toucher comment? Bonjour le roi Zéphira. Pousse là, si ça tombe, elle va tomber, non? Tu ne connais pas comment on pousse quelqu'un sur la balançoire? Tu n'as jamais fait la balançoire? Tu dois te laisser aller pour que tu te balances bien. Ne résiste pas! Oh, oh, oh. Tu as les longs pieds, quoi? Ouais, c'est ça, les femmes disent comme ça. Vous avez peur de la balançoire? On ne teste pas la balançoire avec les mains. On met les fesses sur son s'assoit. Bonjour. Le fait se coupe, Alice. Les femmes sont en train de m'amuser ici, là. Pousse bien fort. Allez, pousse. Mais voilà, on t'a les pieds sur la balançoire. Vas-y, pousse encore. Hé, hey, même la mère. Hey. Ah, tu m'en pousses. Oh, Seigneur. Il est ici, là. Est-ce qu'on va pas venir? Oui, vous avez testé, donc ça marche, c'est descendu alors maintenant. Aïe, aïe, aïe. Vous savez, quand vous allez commencer les choses dans votre vie, on va beaucoup vous décourager. Peut-être tu as un projet dans ton cœur. Peut-être tu as vu quelque chose. Tu auras de l'adversité. Et l'ennemi va lancer ça sous plusieurs formes. Tu peux peut-être vouloir te rester avec ton mari. Tu as un dragueur qui arrive et le dragueur est déjà plus assis que ton mari. Tu vois le dragueur, tu te dis, ah, pourtant mieux que je laisse l'audace, tu laisses ton mari. En partant pour laisser le mari comme ça, tu ne sais pas que que le dragueur là, c'est là-bas que tes problèmes vont venir. Tu peux encore avoir une autre situation où tu commences le travail, ton travail spirituel bien sûr. Tu vois tellement de problèmes qui arrivent vers toi.
Et quand tu vois les problèmes, tu te dis non. Enfin, s'il faisait vraiment le travail spirituel, il ne pourrait pas avoir autant de problèmes. Je pense que quelque part, vous devez avoir. Vous devez être conscient. On doit vous prévenir de l'adversité que vous allez rencontrer. Je crois que certaines personnes, vous, comme si vous vivez dans un rêve. Vous vivez dans un rêve. Vous êtes sur une planète où vous croyez que. Je vais m'asseoir sur le trampoline. J'espère que ça va tomber le moins. Voilà. Dieu n'a jamais dit que ce serait facile. Dieu n'a jamais dit que ce serait facile. Mais il est su, il t'a envoyé. Et vous devez arriver au niveau où vous comprenez ça. Beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de délivrer votre famille. Vous êtes en train. Et quand on parle de délivrance, ça ne veut pas dire que tu vas prier. Ta famille va guérir. Mais du fait que toi, tu réussisses. Tu réussis et tu sors ta famille de la pauvreté. Donc ton premier travail, c'est d'abord de te sortir toi-même. Donc, peut-être que la délivrance de ta famille vient par toi et ça demande que toi, tu sois persévérant dans le travail que tu es en train de faire. Je veux vraiment que vous puissiez comprendre cela parce que je sais que beaucoup d'entre vous, quand je parle, je fais les vidéos, vous pensez que peut-être pour moi ça a été aussi facile. Ça n'a pas été facile. Bonjour, bonjour. Ça n'a pas été facile. Vous savez qu'on a lancé la troisième édition du centre cette année des enfants. Et hier, on a eu tellement d'enfants qui sont venus. Pour la première, c'est le premier jour. Et je sais que quand j'ai même déjà eu deux, trois personnes qui m'ont dit ça hier. Que waouh, regarde tout ce que tu as accompli. Je leur dis que si je vous dis. Le nombre de fois où je suis resté sans abri, je n'avais pas l'endroit où dormir. En 3 ans. J'étais sans abri au Cameroun au moins 2 fois en 3 ans. Je ne vais pas vous dire le nombre de personnes qui m'ont escroqué. Je ne vais pas vous dire le nombre de personnes qui viennent, qui font comme s'il est un peu gentil. Tu lui fais confiance. Le nombre de bailleurs qui m'ont fait les coups bas. Et parfois, je crois que vous avez l'impression que cette affaire-ci sera facile, ce sera rose. Mais oui, voilà, je poursuis mon rêve. Je me lève, je prie. Quand je prie comme ça, là, tous les démons sont terrassés. Je ne sais pas, peut-être toi, tu es à l'étape, tu es peut-être à 80% de ta libération. Et tu as l'impression que quand tu fais, donc beaucoup d'entre vous, je sais que vous avez beaucoup d'attaques de pensée. Beaucoup, c'est carrément physiquement, tes finances, ça ne va pas. Beaucoup, c'est ton dernier jour de jeûne. Je salue ceux qui sont en train de jeûner là, oui. J'avais oublié qu'il y en a que vous avez pris le jeûne hier ou avant-hier. Donc c'est aujourd'hui que vous terminez. Je vous encourage. Là! Tu as vu la dame? D'accord. Du courage à ceux qui jeûnent encore. Pardon, laisse un peu ça pour l'instant. Tu fais les bruits ici, là. Tu as compris? Bonjour. Vous devez comprendre que vous êtes comme une semence. Vous savez, quand parfois je vois les paraboles que le Seigneur disait par rapport au royaume de Dieu. Il dit le royaume de Dieu est comme une graine de sénévé. Tu prends, tu mets dans la terre. C'est d'abord petit. Tu mets dans la terre, non. Tu arroses. Tu protèges contre le froid. Tu nourris. Ça grandit.
Et quand ça grandit maintenant, il dit qu'il grandit, que d'abord il est le plus petit, non? Merci beaucoup, Mohamed. Tu as vraiment bien dit ça. Je ne cherche pas à ressembler à quelqu'un. Je ne cherche pas non plus à impressionner quelqu'un. Je ne cherche pas à impressionner quelqu'un. Il y avait un moment, j'étais très centrée sur mon visage, sur ma beauté, genre. Je me maquillais beaucoup. Quand je me réveillais, je faisais un direct, je n'avais pas mis mon make-up, je ne chantais pas bien, les trucs comme ça. Non. J'ai compris, c'est le travail d'abord. C'est le travail d'abord. Et je pense qu'au Cameroun, on a besoin de cet exemple. On a besoin des... Les gens ont besoin, et ça revient à la parabole que j'allais dire, les gens ont besoin de quelqu'un qui va donner une vision à leur vie. Les gens ont besoin d'une vision. Quand Jésus a dit donc que le royaume de Dieu est comme un grain de sénévé qu'on a pris, on a planté. D'abord au départ c'est le plus petit, non. Mais le temps, et c'est seulement le temps. Le temps. En lui il porte l'ADN. Il porte l'ADN d'un grand arbre. Mais pour l'instant, on voit seulement un petit. C'est pour ça que ceux qui m'ont vu commencer il y a cela 3 ans, en 2020, quand j'ai commencé l'étude des enfants, ceux qui sont venus le temps là, vous savez que ça ne ressemblait pas à quelque chose. J'ai commencé dans un studio. Je faisais dans le salon du studio. Là, le studio, je le payais à 75 000. Donc la pièce était peut-être 4 mètres sur 4. Aujourd'hui, ça c'est la cour. Donc imaginez alors comment l'année prochaine ce sera. Voilà la cour dans laquelle les enfants travaillent. Voilà tout le local là-bas. Donc à l'intérieur là-bas qu'ils travaillent. Il dit tu plantes, non. Donne le temps. Quand les gens se moquent de toi, ne te casse pas. Ne te casse pas. Fais ton lavage. Prends ton don, tu mets dans ta bouche, tu manges. Parce qu'il y a des choses que ta mère ne t'a pas enseignées. Que si on te montrait ce que tu n'es pas là où tu es aujourd'hui, ce que tu es très loin. Mais ne te dérange pas, moi, c'est toujours que tout arrive au bon moment. Ne te dérange pas. Parce que je sais qu'il y en a parmi vous, vous passez le temps à dire, oh, si tu avais connu depuis. Tu pleures tellement que tu oublies de tout faire. Je dis que laisse-moi les regrets bizarres. Arrête de dire que si tu m'avais connu, oui, tu m'as connu maintenant, quoi. Tarnan, fais-moi les choses là. Oh, merci Nathalie. Oh, si tu avais connu depuis. Oh, si tu avais connu depuis. Laissez-moi vos affaires là. Peut-être que tu m'avais connu, tu allais passer, tu n'allais pas. Peut-être qu'il y en a même parmi vous. Vous avez écouté mes vidéos il y a cela. Il y a de cela 3 mois. Tu n'étais pas encore prêt. Tu n'avais pas encore assez souffert. Maintenant, ça fait 2 jours que tu m'es encore tombé sur moi. Cette fois-ci, tes yeux là sont ouverts. Il vient encore me demander quoi. Oui. Pardon. Oui, donne-moi le téléphone alors. Ainsi. Allô? Oui, je t'écoute. Oui. Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tu prends les détails et quand il faut commander, tu vas lui commander ça, non? D'accord. Vas-y alors. Demande-lui, il faut la commande de combien? La commande minimum, c'est combien? Oui. D'accord. Demande-lui que le minimum qu'on peut commander, c'est combien? D'accord. Demande-lui si on passe une commande de 45 000, c'est bon. D'accord. Non, il n'y a pas de problème. Prends son numéro déjà. Demande Orange. Je vais lui faire un transfert. Tu attends un peu là-bas. Attends peut-être 10 minutes. Je vais lui faire un transfert. Est-ce que j'ai l'argent sur MTN? Bon, dis-lui, prends son numéro pour l'appeler. Non, tu rentres, tu vas lui faire un transfert. Et quand tu fais le transfert, tu l'appelles, tu lui dis que tu as fait.
Mais d'accord, fais ça alors, à tout à l'heure. Oui, est-ce que tu peux trouver les verres aussi? Tu vois les verres, non? Le verre. Oui, voilà, va chercher ça aussi. Pas de problème, prends son numéro, tu fais le paiement tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure, à tout à l'heure. Merci. Bon, merci d'avoir patienté. Qu'est-ce que je disais? Merci la reine Fatou, merci, merci. Je disais ceci, il y en a parmi vous, c'est récemment que vous êtes retombé à nouveau sur ma vidéo. Le tout, si peut-être tu es prête à te lever toi-même, peut-être tu es prête à travailler. Parce que l'affaire de travail, c'est là, ce n'est pas quelqu'un qui doit faire pour toi. Personne ne va croire pour toi. Personne ne va faire pour toi. Personne ne va... j'ai une place. C'est une place. Donc, comme tu viens de tomber sur ma vidéo là, hein, à partir de ce soir, quand tu vas te laver, ou demain matin, prends le sel. 3 cuillerées à café de sel. Tu mets dans l'eau. Lave-toi avec ça chaque jour. Et en te lavant, tu fais ta prière. Tu lis le psaume 35. Et tu pries. Tu demandes que Dieu enlève la lourdeur sur toi. Que Dieu t'enlève, s'il y a l'esprit de pauvreté, de même percée, tu demandes que Dieu enlève. Quand Jésus parlait du grain là, ok, il dit qu'on met le grain dans la terre. Ça germe. Ça pousse. Quand ça pousse, c'est le plus petit. Après, avec le temps, ça monte. Après, ça commence à grandir, ça étend ses branches. Quand ça étend ses branches, la Bible dit que d'autres personnes viennent maintenant s'abriter. Il y en a parmi vous, vous allez avoir des entreprises que vous allez nourrir 5000 familles. Ça, c'est pour quelqu'un. Reçois ta prophétie. 5000 familles vont dépendre de toi. Interdit de parler le boulot ici. Hein, monsieur Abessolo? Madame. Interdit de parler le boulot. Je suis un polyclote, madame. Tu es poly quoi? Même le Yemba, il connaît parler. D'accord, je te parle le Bajoun. Oui, le Bajoun. Je connais seulement un Bajoun, comment tu le fais? Un seul mot. C'est mon chauffeur, c'est un animateur en studio. Vous allez avoir des. Vous allez créer des structures que. Vous allez rester le matin comme ça, vous allez avoir le nombre d'employés qui vont venir. Vous allez seulement pleurer. Et. Ce n'est même pas parce que. Vous. Laissez-moi qu'on peut dire. Ce n'est même pas parce que vous. Ça sera votre argent. Hein. C'est juste que. Vous avez des facilités que ces autres personnes-là n'ont pas. Il y en a parmi vous, vous avez un bon crédit bancaire, un bon crédit score. C'est-à-dire, si tu vas à la banque, tu présentes un projet, les gens vont te donner l'argent. Et il y en a aussi que les gens aiment beaucoup votre vision. Si bien qu'ils viendraient bien pour bosser avec vous. Mais vous ne savez pas parce que vous doutez de vous. Steven Kamga, que les filles Badjoun sont autoritaires. Ouais, vraiment. Elle voulait quoi? Ah, tu as son numéro. Oui, donc je vais la rappeler. Je vais la rappeler à l'instant. Donc je vais vous montrer les gars qui sont en train de travailler ici. Pardon. On a encore un travaux. Hein.
Ah, c'est l'extérieur. Bonjour, bonjour. J'ai entendu, non? Votre... Vraiment. Toi, il faut qu'on te mette chef de quartier ou maire, vraiment. Et puis Fanny, même si on refuse, c'est pas grave. Hein. C'est qui? Elle veut encore quoi? Allô? Tu vas prendre, je préfère les coups c'est mieux. Oui. Prends plusieurs, comme ça on va voir. Oui, filme, je t'envoie sur WhatsApp tout à l'heure. Lisette Châtier dit que c'est le lait qu'on donne. Vraiment, vous là. Il faut qu'elle nage un peu aujourd'hui. On a mis une piscine ici pour les enfants. Ça fait du bien. Il y a mes poules et mes canards ici là. Oui. Il y a le lapin ici là. Là dedans. On a porté un lapin hier là dedans. Voilà monsieur le canard. Il y a les poules qui ont éclos ici là. Voilà les poussins qu'on a eu hier. Les voilà là-bas. Celles-ci, ça part, ils sont déjà un peu grands. Voilà là-dedans. Les poussins, là, sont déjà grands. Chaque femme ici, là, protège que ses enfants. Steven Kamga, tu es passé devant ma maison. Ya. Yeah. Ya. Yeah. En fait, ce que je vous ai dit, c'est ce que je disais, c'est que plusieurs fois, vous aurez les gens qui vont venir vous décourager parce qu'ils ont leurs propres limitations qu'ils vont vous donner. Et on va te dire, tu ne peux pas. On va te dire, voilà, ça là, ce n'est pas possible. Tu ne connais pas le Cameroun. Si, quand je suis au Cameroun, combien de fois on m'a découragé? Est-ce que tu peux ouvrir l'école au Cameroun? Oh non! Tu ne peux pas, si tu ne connais pas quelqu'un qui va venir. En fait, vous devez avoir un amour pour les gens à qui vous allez apporter votre service. Et c'est cet amour qui va vous pousser à aller au-delà de ce que les gens vont dire. C'est cet amour qui va vous encourager pour que vous puissiez transcender les découragements, vos propres échecs, parce qu'on n'est pas parfait. Monsieur Steven Kamga, merci beaucoup. Je n'ai pas vraiment besoin de ce conseil supplémentaire. Merci. Je crois que tu sais quand même que le ciment est devenu très rare au Cameroun. Bonjour.
Monsieur Mba, ton boulot te manque. La barrière là te manque. Tu vas encore rester là-bas dedans, hein? Ok. Oui, j'ai reçu, merci. Il a mis son pied sur la chaise, comme ça. Il faut demander à Valdez qui change l'eau aussi. Ou bien Junior, cherche Junior, tu lui dis de changer. Et parfois, les personnes qui veulent vous décourager, ce sont les personnes les plus proches de vous. Ça peut être ton mari. Parce que sa sœur lui a dit qu'il ne faut pas que tu ouvres ta petite clinique. Ton mari vient te dire que oh, laisse ton projet là. Ce n'est pas lui qui parlait. C'est ce qu'on lui a dit. Donc soyez très prudent parce qu'on ne sait pas. Tu ne sais pas qui est qui. Quand tu vas commencer à faire ton lavage et tout ça, là, tu vas voir que tous les jaloux là vont partir. Toutes ces personnes-là vont quitter à côté de toi. Et puis, ce sont tes plus proches, les personnes avec qui tu partages tes projets quand c'est encore dans l'embryon. Et j'ai envie d'acheter un petit terrain à Ojala. Non. Il n'y a même plus de terrain là-bas. On m'a dit qu'on escroque les gens là-bas. Alors que tu allais acheter ça, tu allais pouvoir peut-être faire ta plantation là-bas, je ne sais pas. Il dit que parfois c'est ton gars, hein. Parfois c'est ton gars, ou c'est ta go. Dès que tu parles de ton projet comme ça, là, elle dit ah. Certaines personnes voient que si jamais tu aboutis et tu fais ça, tu vas l'oublier parce que tu auras l'argent. Ils ne savent même pas que ce n'est pas le cas. Par contre, je veux priver, je vais un peu mettre la sonnette d'alarme sur beaucoup de femmes. Ces derniers, j'ai reçu trop de femmes qui se sont plaintes de la même chose. Tu rencontres ton gars quand il n'a rien. Vous commencez la relation. Tu le soutiens, hein, 5 ans, 10 ans. Quand il commence à avoir l'argent, sa famille maintenant vient le détourner. Donc, soyez très vigilante. Tu ne dois pas rester, tu ouvres tout, tu montres à l'homme ou à la femme. Après, maintenant, quand il a l'argent, on le fait prendre une autre femme. Votre première maison que vous avez conçue, là, c'est une maison de un niveau. Il n'a pas conçu le duplex. Il aménage dans le duplex avec la deuxième femme. Toi, on te laisse dans la petite maison. Il passe à peine. Fais très attention. Quand à la fin d'une histoire, tu as l'impression qu'on ne t'a pas dupé. Parce que tu as quand même ta part d'argent que tu as eu. Parce que tu as quand même... Tu peux laver ça, non? Cherche de l'eau, tu laves, s'il te plaît. Tu laves souvent la voiture, papa, non? C'est le gardien qui lave. Va chercher l'eau, tu vas apprendre à laver la moto aujourd'hui. Et après, tu n'as que tes larmes pour pleurer. Vous avez fini là-bas. Tes cheveux ne sont pas tressés la nuit. Je crois que ton matelas tressé les cheveux. Non, ça va se tresser cette nuit et ça va tresser aussi là. Ça va commencer non, la nuit ici là. Ça va terminer l'autre côté comme ça. Ça va ok. Et je sais que quand vous commencez comme ça là, on ne vous avait pas dit. Si j'avais même une mère à côté de toi qui allait te conseiller. Sois sage. Ne fais pas toujours confiance totalement. Peut-être que tu rencontres quelqu'un, tu as travaillé, tu as ton petit fonds, même de 5 millions. Tu prends la personne comme ça, tu lui montres tout ce que tu as. Les gens doivent entrer dans votre vie étape par étape. Ta confiance se mérite. Et même si on dit que ça se mérite, on ne mérite pas totalement là. Il y a toujours un petit que tu mets à côté.
Stephen Kamga, tu es au Cameroun, comment, pourquoi tu veux savoir pourquoi je suis rentré au Cameroun? Tu es au Cameroun. J'étais en Benga, j'allais savoir, il demandait parce que ça va l'encourager, même à dire qu'il va rentrer. C'est le Seigneur qui m'a dit de rentrer, je suis rentré par la foi. Quand Dieu m'a dit de rentrer, en 3 semaines, j'étais déjà ici. Je sais que c'est un peu le genre de réponse que vous voulez. Vous voulez peut-être que je dise, oh, je n'avais plus les papiers, on allait me rapatrier. Ou bien vous voulez que je dise, non, Dieu m'a dit de venir au Cameroun. Je suis venu. En fait, quand il venait, il pensait qu'il venait pour 3 mois. Je pensais que je venais pour 3 mois. Mais parfois Dieu a besoin que tu aies la foi. Peut-être il te dit que loue la maison là. Si je loue la maison pour faire quoi? Que loue la maison là. C'est le jour où tu loues, tu entres dans la maison, tu t'assois. Que tu as dans la vision de ce que tu vas faire dans la maison là. Je vous dis. C'est pour ça que moi je fonctionne avec Dieu. Si ta femme n'est pas forte, ne fais pas ce qu'elle fait. Si tu vas louer la reine, la reine même a fait. Tu dois avoir la foi pour tes choses. La foi. La Bible dit que c'est la foi, c'est la ferme assurance de ce que je ne vois pas, mais que je sais que j'ai. Quand tu commences, quand tu, ton action active les forces qui vont venir pour t'aider. Un peu comme si tu dis à l'enfant que donne-moi tout ce que tu as. Supposons, bon, tu as un gros nounous derrière toi. L'enfant a un petit nounous, un petit jouet dans sa main. Tu dis à l'enfant que donne-moi ton nounous. Il ne veut pas donner. Alors que si tu te donnes le petit jouet qu'il avait dans sa main, tu lui donnes le gros nounous. Dieu va te dire une chose, il va voir. Est-ce que tu peux faire? Tu ne fais pas, tu crânes, tu tournes, tu montes, tu crois, tu fies. Ah, vous devez les laver, j'avais oublié. Lumière, viens. Lumière, il était où? Ah, il dormait. Viens, Lumière. On va me tourner ton oreille. Lumière, tu es tout mouillé. Pourquoi? Pour le laver. Lumière, dis bonjour. Comme ils ont mangé, là, ils vont seulement dormir. Il va pas parler. Tu as la brosse? Oui. Tu as la brosse? Tu mets du Pax dans ton eau là. Stephen Kamga, tu dois croire en toi. Tu as compris? Si tu crois à la Bible, tu ne crois pas en toi, tu as menti. Si tu crois en tes traditions, tu ne crois pas en toi, tu as menti. Toi, tu aimes trop bavarder pour rien, Stephen. Tu es la personne que vous avez la parole, mais vous n'avez pas la puissance. Le royaume de Dieu, c'est la puissance. C'est pas la parole seulement.
Vous aimez trop bavarder. Vous aimez le logos. Il y a les gens qui vont utiliser la Bible pour délivrer. Les traditions délivrées. Parce qu'ils croient en nous. Lave non. On lave quelque chose comment? Tu verses l'eau, tu brosses. Tu as mis le savon dedans? Il va te muscler aujourd'hui, tu vas laver. Même toutes les prières que je vous donne ici, le sel, tout ça, le don. Si tu fais, tu ne crois pas. Vous allez, oh, je fais, ça ne marche pas parce que tu ne crois pas. You don't believe. La foi, c'est une puissance, c'est une force. On lave le bord des roues, on ne lave pas le bas. Au bord. Pas là-bas, ça c'est le bas. Voilà. Eh bien, ça, Caroline Fossi, pardon. Bonjour, la reine Caroline. Avec les ponts, joue le truc que tu as là. D'entre vous, vous êtes sur le point d'abandonner. Bonjour la reine Rolande, j'étais vue sur le lit le matin avec les enfants. Vous êtes bien réveillée. Si tu fais toutes les prières et que tu ne crois pas en ce que toi tu es en train de dire, tu vas finir, tu vas regarder comme ça là. Tout le monde va avancer. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont la foi. Maintenant, ils ne connaissent même pas la Bible. Même les traditions ne connaissent pas. Mais ils avancent. Parce qu'ils ont la foi. Très important. Et ta foi ne doit pas être influencée par quelqu'un. Quand tu sens dans toi que tu veux faire quelque chose, ah, tu fais. Bon, je vais vous laisser. Je vais y aller. Il y a une consultation que je dois faire.